Le G20 n'a pas encore commencé, mais les militants altermondialistes, eux, sont déjà sur la Côte d'Azur. Des centaines de manifestants ont défilé à Nice pour dénoncer les dérives de la finance et la montée de la pauvreté dans le monde. Leur mot d'ordre, les peuples d'abord, pas la finance. On veut simplement que les pauvres de la planète soient pris en compte et que tout ce qui se passe au niveau mondial prenne en compte les droits de l'homme. Encadré par un important dispositif de sécurité, le rassemblement a attiré des militants d'horizons divers, notamment des indignés espagnols. Nous ne sommes pas apolitiques, nous sommes contre les partis, nous ne sommes pas anti-système, nous sommes contre le capitalisme. Nous pensons qu'il y a de bons politiciens comme il y a de bonnes politiques, bien sûr qu'il y en a. Ce qui se passe, c'est que les mauvais politiques ont beaucoup de pouvoir. Cannes accueillera à partir de jeudi 25 chefs d'État et de gouvernement. Parmi eux, le Premier ministre grec Georges Papandréou, dont le récent projet de référendum devrait largement alimenter les débats.